Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un Maxime Mega Haul Action. J'y suis allée vraiment souvent, j'ai tout gardé pour vous le filmer et au final ça va prendre donc 3 plombes. Prévoyez thé, café, toilette avant cette vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. On commence tout de suite. Alors j'ai pris une conserve pour crackers. Ça, voilà, petite boîte conserve pour crackers. Ah, elle est super jolie, ça va aller super bien dans mon logis, mais ça va être du tout pour les crackers, quoi, tu vois. C'est plus, moi, pour ranger mes coques de téléphone, tous mes produits, tout ça. Et donc, ça m'a coûté 1,19€. J'adore. Pas cher, super efficace. Quoi dire de mieux, hein? Alors, je suis désolée pour celles qui n'ont pas de Action par chez elles, parce que ça va débouler, c'est sûr. Vu comment ils font un carton avec ce magasin, c'est sûr que dans le sud, enfin, ça a commencé nord-est, puisque ça vient des Pays-Bas. Je pense qu'ils vont envahir la France, donc ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver chez vous, il n'y a pas de souci là-dessus, puisque j'ai vu des Actions pousser partout, et autour de chez moi, il y en a partout. Il y a Reims, il y a Bar-le-Duc, il y a Chalon. Il n'y en a pas à Verdun, je crois. Enfin, je crois pas. Et donc, ça va forcément arriver par chez vous, quoi. Donc, pas de panique. Regardez les vidéos. Cochez déjà ce que vous avez envie d'acheter. Et préparez votre carte bleue. Parce que je pense que votre banquier, il va faire un petit peu la gueule. Donc, voilà. Alors, on continue avec les Kit Kat. Donc, tout ce qui est Kit Kat, Lyon, comme ça, que j'ai souvent... j'ai tapé dedans une crise de tristesse la dernière fois. Je voulais poster sur Instagram. Vu un petit peu les attaques et tout ça qu'on a sur en tant que youtubeuse, comme. Enfin, youtubeuse, c'est pas un métier. Enfin, pour moi en tout cas, pour l'instant, c'est pas un métier. Donc voilà. Mon métier, c'est secrétaire de direction, voire plus. Hein. Donc voilà, ça, je les ai payé 1,19€ le paquet. Donc c'est très bien pour les coupes blues, les coupes blues. Et aussi pour tes hanches et accessoirement. 2 kilos en plus. Bon. C'est tout, hein. Faut faire du sport après. Mais moi, j'aime pas le sport. Donc, je les stocke. Tu vois, je les amalgame, quoi. Hein, bon, c'est tout. Ensuite, serviette distributrice. Pour mettre dans mon distributeur que j'ai aussi acheté chez Action, elles m'ont coûté 1,09€. Il y en a 250 à l'intérieur. Sauf que la passion d'Hugo, tu vois, quand c'est dans le distributeur, c'est de faire « Maman, il neige !» Voilà. Tu ramasseras quoi? Tu ramasseras quoi? Bon, maintenant ça va être les périodes des fêtes, donc oui, effectivement, mon aspirateur ou mon balai seront mes meilleurs amis pour cette fin d'année. Voilà, c'est le jeu de mon fils en ce moment. Donc bon, comment vous dire? Eh oui, c'est le job de maman aussi. Je peux pas les planquer parce que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, qui est sur ma table, donc voilà quoi, faut juste éviter qu'Hugo il aille y toucher quoi. C'est chaud quoi. Ensuite, photophore imprimé en verre, donc 1,79€ l'unité, et c'est ces magnifiques petites choses, donc en verre avec des étoiles dessus, gris, donc faire carrément parfaitement le logo, enfin l'imprimé, à l'intérieur c'est ça, bon, là il y a des choses que je dois vous présenter aussi, mais du coup voilà, c'est magnifique, et je pense que... Salut toi. Je pense que ouais, je vais mettre certainement toutes mes boucles d'oreilles que... J'ai pas de boucles d'oreilles là parce que je vais vous les montrer après. Toutes les boucles d'oreilles en fait, les doubles perles, vous savez, que je vais vous montrer après. Donc ça m'a coûté 1,79€ l'unité et j'en ai deux. Ensuite, bah alors les boucles d'oreilles perles dont je vous parlais et j'en ai a bunch, comme on dit in English. So I have a bunch of it. Elles m'ont coûté 79 centimes les 3, soit beaucoup moins cher que chez AliExpress. Donc autant vous dire que j'en ai pris plusieurs et notamment certains en double. Voilà, parce qu'au cas où tu perdes la boucle qui est à l'arrière, voilà, d'autres. Et ceux-là en fait en faisaient partie. Je ne sais pas si vous les avez vus vous chez vous et c'est celle que je voulais vous montrer. Excusez le bruit, attention, hop, je mords la pêche. Salut, moi c'est Ludy, et toi? Donc voilà, en gros ça se présente comme ceci. Il y a une perle toute strassée, et ensuite une perle genre nacrée sur l'arrière.
Donc là, en fait, c'est celle qui est argentée. Salut! Nouveau style. Et pourquoi on pourrait pas recoller les oreilles comme ça devant? Il y a bien des prothèses, ma mère. Pourquoi on ferait pas des prothèses d'oreilles? Enfin, je sais que c'est débile ce que je dis. Bon, bref, je pète un câble. Donc voilà, donc des strass devant et des perles grises derrière. Et il y a la même chose en blanc. Mais je sais pas où je l'ai foutu. Je l'avais il y a 2 secondes. Bon, en gros, la perle derrière, elle est blanche. Ouais, j'ai aussi celle-ci avec du rose poudré, tout ça, quoi. Ah, elle est là, la blanche. Voilà, ça fait blanc au lieu de gris, quoi. Et donc, je trouve ça super joli. Donc, je suppose que je vais mettre la deuxième pour pas paraître totalement idiote pour tout le reste de cette vidéo. Toi-même, tu comprendras. Parce qu'en fait, en gros, j'ai beaucoup d'autodérision, hein, ça, y a pas de souci. Mais alors, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Donc, si ça peut vous faire plaisir et vous donner le sourire pour le reste de la journée, voilà quoi. Donc oui, j'aime beaucoup. Perso, AliExpress, il y en a à tous les prix. Mais ça met 4 plombes à venir, etc., etc. Alors que là, tu te rends compte de la qualité et de ce que tu vas acheter tout de suite. Et 79 centimes, c'est quand même pas la bérésina, ou la mer à boire, ou le bout du monde. Enfin, on en a beaucoup des comme ça, hein. Ou encore des synonymes, ou encore des... Non, non, c'est bon, vous avez assez? Bon. Donc voilà, je vous disais, le pot sera certainement pour ranger ça, à moins que j'ai autre chose... qui puisse... Mais bon, dans le doute, casse une tuile. Donc, je les ai pris quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est pas le tout, mais quand même. Il faisait 6 minutes. Ouh! Faut que je me dépêche. Donc ça, c'était pour le premier ticket, hein, que j'ai acheté à Chalon. Ok. Ok. Ensuite, coffret cadeau thé. Ouais, c'est celui-ci que j'avais eu l'année dernière aussi. Il y en a un dans ma chambre et là j'en voulais un pour dans le salon en fait. Il y en a un en déco et l'autre que j'ai envie d'utiliser tout simplement vraiment pour le coup. Parce qu'en déco c'est super joli mais en vrai c'est quand même beaucoup mieux. Par contre celui-là je doute que je puisse le mettre au micro-ondes étant donné qu'il y a un truc en ardoise dessus. Alors j'avais pas remarqué mais en fait il a été un tantinet raflé donc bon pas grave. Aouh ! Aouh ! Je me suis mal ! Donc voilà, un tantinet raflé mais c'est pas grave. Et je vous rappelle dans le kit il y a une craie pour écrire mon chéri je t'aime par exemple. Ça fait bien longtemps que je lui dis plus d'ailleurs, hein, il le sait. Ensuite il y a voilà cette petite cet infuseur à thé. Donc on l'ouvre tout simplement. On met son thé à l'intérieur. Et vous refermez, et en fait, ça laisse infuser le thé. Voilà, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai beaucoup de thé, en fait, en pot, les Lipton, mais en pot. C'est-à-dire qu'ils sont pas en sachet. J'ai commandé sur AliExpress des sachets en toile à l'unité. Donc, il y avait 250 sachets, je crois, dedans pour très peu d'argent. Je crois 4 ou 5 euros. Ce qui fait que même si celui-là, il jaunit ou il verdit, vous savez, avec le temps, vraiment, ils deviennent dégueulasses, quoi. Donc, il faut les changer régulièrement. Ah, il y a son petit plateau aussi pour pas mettre de l'eau partout, quoi. Tu vois, le truc vachement... Attends, ça peut faire boucle d'oreille. Waouh, super. Et ça me rappelle, en fait, en Thaïlande. Alors, je sais pas si vous savez... Mais en Thaïlande, ils ont des boucles d'oreilles comme ça, en fait, c'est des espèces d'écarteurs où ils ont toute une partie ici qui vient entourer l'oreille. Ensuite, ça s'accroche au lobe et il y a des gros trucs comme ça qui pendent et c'est tout en or et ciselé et tout. Bon bref, ça c'est parce que j'ai vécu là-bas, donc je le sais. Et j'ai côtoyé en fait... Ouais, ça c'est une autre vidéo, hein, on va arrêter là. Oui, voilà, les temples et tout, j'avais des amis là-bas et... Et voilà quoi, bon bref, je vous raconterai, je vous mettrai des vidéos si ça vous a... des photos si ça vous intéresse sur une autre vidéo. Donc voilà, j'ai voulu vraiment un thé, enfin un mug pour le thé, mais pour l'utiliser à la maison, parce que j'en ai deux que j'avais utilisé, enfin que j'avais acheté. D'ailleurs, ils sont super bien, mais alors ils s'écaillent. Alors ça va pour 2, 3, 4, 5 utilisations, peut-être 10, mais au fur et à mesure, ça, t'as les bords qui se cassent quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Je pense que ça coûte pas cher, mais que la céramique est pas de très bonne qualité. Du coup, bon, pour le prix, on va pas se lamenter. Surtout que en général, dans les mugs traditionnels, même en céramique, t'as toujours l'anse qui se casse à un moment. Donc en fait, au final, tu finis par boire ton café comme ça quand même. Donc bon, là, je pense qu'en verre, c'est quand même beaucoup mieux qu'en céramique.
Bref, tout ça pour dire que ce kit est vraiment sympa et ça fait vraiment l'objet d'un magnifique cadeau. Si vous avez des gens qui sont amateurs de thé, je vous assure que ça, c'est un super cadeau à faire. En plus, elle est emballée vraiment superbement bien. Il y a vraiment Enjoy the Moment, My Cup of Tea, Trendy Gift, et c'est vrai, et vous pouvez noter le nom de la personne dessus. Enfin, vraiment, c'est un jeu de 4 pièces qui vraiment est à autant d'allure qu'il n'est utile. Et ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 2,19€. Franchement, le cadeau à 2,19€ pour quelqu'un qui boit du thé, qui va être ravi en fait que vous lui ayez offert, parce que franchement, ça moi, du coup j'en ai deux quoi. Donc c'est cool. Franchement, c'est pas très cher. Ensuite, un set d'anneaux à tricoter. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez le loom knitting. Mais moi, j'ai découvert ça. Ça se fait avec de la grosse laine. Donc le petit, c'est pour les bébés, le moyen, c'est pour les enfants. Il y en a un autre intermédiaire, mais c'est pour les préados, parce que franchement, même les femmes, j'ai essayé, ça marche pas. Enfin, c'est trop petit, en tout cas pour ma tête et la tête à ma mère. Donc moi, je me suis fait un bonnet avec celui-ci, le gros, l'énorme. D'ailleurs, il est déjà marqué, vous savez, j'ai mis pour faire mes côtes. Des côtes, c'est ça en fait. C'est le modèle là. Il faut marquer en fait ces plots. Avec pour savoir si tu fais la maille en droit ou la maille envers. Tout simplement. Parce que je tricote. Je sais tricoter les aiguilles, le crochet, les napperons, enfin tout, je sais tricoter quoi. Et donc la seule chose que je sais pas, c'est la machine à tricoter. Parce que ma grand-mère devait m'apprendre et elle est morte avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que voilà, j'étais censée apprendre. Donc là j'ai découvert ça et je me suis fait ce bonnet. Alors, vas-y, comme ça, c'est sûr. Voilà. Je me suis fait ce bonnet. Étant donné que normalement, t'as une mèche qui vient devant, mais je les ai attachés. Donc voilà, ça donne ça. Et c'est moi qui l'ai fait. Donc oui, il faut bien le mettre. Hein. Ou alors tu le mets un peu plus bas quand t'as pas. Voilà. Et vu que j'ai une doudoune grise. Donc ouais, elle était peut-être. J'ai fait peut-être un peu. Un peu haut en fait le truc, mais je me suis dit que sur le derrière, si ça revenait un peu, c'était pas plus mal. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous aimez le bonnet que j'ai réalisé. Si vous en voulez un tuto, je le ferai avec grand plaisir. Je vous montre un petit peu la maille que ça donne. Donc voilà, ça c'est des côtes et ça c'est un point un petit peu espacé comme ça, genre je sais pas comment ils s'appellent les points par contre. Parce que je trouve ça super joli malgré tout. Donc voilà ce que j'ai réalisé avec ces ronds-là de loom knitting. Je sais plus, j'en ai tellement partout que je sais plus où les mettre. Ensuite, bah écoutez, dans la marque Wet n Wild, il y avait des arrivages. Alors franchement, j'étais choquée. Je me suis retrouvée avec un color icon. Donc une ombre mono. C'est quelle teinte ça? C'est la E255B, la Penny sous neuf. Donc voilà, moi personnellement, je n'ai pas de Wet n Wild. Je n'ai jamais testé, donc faut-il encore que j'arrive à l'ouvrir, hein, ça serait sympa. L'occasion en fait s'est présentée. Je les ai eu pas très très cher. J'ai pas le ticket de caisse, hein, parce que j'y suis allée en 3 fois. Je peux pas vous dire. Je crois que c'était moins de 2€. Hein, on va dire, ou 2,50€ peut-être. Donc là, en fait, ça se présente. Ah oh ouais, il est super joli. C'est un peu un saumon lumineux tirant sur le rose, bois de rose. Franchement, c'est super sympa. C'est hyper, hyper lumineux, j'adore. Franchement, j'adore. Honnêtement, j'étais pas convaincue par la couleur quand je l'ai acheté. Mais je me suis dit, du Wet n Wild, rien que pour tester au moins la tenue, j'aimerais bien tester quoi. Et au final, ouais, pas mal. Ensuite, toujours chez Wet n Wild, c'est la E247, la Pride Orgueil. Donc la petite palette comme ça. Que j'ai trouvé hyper pas cher quoi, du coup. Et même si c'est des couleurs voilà, que je porte pas toujours, on va dire, hein, ça faut pas se leurrer, je pense que pour le prix, ça valait le coup de tester, quoi. Et étant donné que je connaissais pas, enfin, je la connaissais de nom, mais pas pour l'avoir portée. Alors, le blanc. Oh, wow, ils sont super pigmentés. Hein.
le crème. Le crème l'est un tout petit peu moins. C'est hyper poudreux par contre. Celui-là est hyper beau. Il va me manquer un doigt en fait, je suppose. Alors, je vais nettoyer le blanc, parce que le blanc, c'est le moins salissant, pour vous faire le dernier swatch. Attends, est-ce que je ne me suis pas plantée? Oh, moi aussi, j'ai fait deux fois la même. J'ai fait deux fois le même bleu, banane! Non, mais franchement, t'avoueras, hein, faut être con. Attends, bouge pas, je te fais le dernier. Oh là là, rachète-toi un cerveau, ma fille. Ah là, c'est pas le même bleu. Alors, je vous montre. Je retire les pinceaux qu'il y a avec, ils sont hyper poudreux. Le blanc, le premier, qui est ici, voilà. Le plus grisâtre, il est ici, il se voit moins. Le verdâtre, ici, très, très flashy, il se retrouve ici. Le plus vert émeraude, il est là. Il est plus discret, mais néanmoins très très joli. Ensuite, le bleu ici, mais il se ressemble un peu. Hein. Lui, c'est plus un foncé marine, il est ici. Et le bleu ici, qui est plus lumineux, il se retrouve ici en bas. Donc voilà un petit peu la... Mais super pigmentation, hein. Mais c'est hyper poudreux ça. Hein. Franchement, je vous avoue que je m'attendais pas à ce que... J'en ai mis plein le bureau, en fait. Donc, bon, Madame Nettoyage va passer après, hein, parce que bon, vous savez que moi, les bactéries, c'est pas pour moi. Non, ouais. Oh là 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 là. Pff. Le truc, le machin, le chouette. Va te doucher après, ma fille. Non, franchement, belle pigmentation, un peu poudreux, franchement, j'avoue. Je connaissais pas, mais est-ce que si ça tient bien, ça vaut pas le coup que ce soit un peu poudreux, parce que bon, après tout, Urban Decay aussi, c'est poudreux, hein. Même si j'aime bien Monsieur Decay, voilà quoi. Enfin, j'aime surtout bien L'Oréal, parce que bon, c'est un peu L'Oréal, Urban Decay, quoi, pour celles qui atterrissent. Voilà. Ensuite. J'ai pris, et c'est le dernier, voilà quoi, c'est le dernier cosméto que j'ai à vous présenter, c'est le Rimmel 60 secondes en teinte 810, le Precious Metal. Donc il y en avait deux des comme ça, similaires, mais pas du tout le même packaging et pas le même nom. Mais honnêtement, finalement, j'ai pris celui-là parce que il m'avait l'air plus scintillant, plus je sais pas trop. Donc je vais vous le swatcher comment? Allez, soyons fous, je vais le swatcher. Je vais le swatcher sur un ongle, hein. Voilà ce que donne le swatch. Voilà, hein, très joli. Voilà, c'est un gris comme il faut en avoir certains, hein, donc voilà. Je suis très contente de mon achat, et franchement, pour 1,50 ou au moins 2 euros, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, le... Alors, c'est quoi ça? Le fil à tricoter. Cela, là. Voilà. J'en ai 12 pelotes. Elles étaient à 1,59 l'unité. Sachant qu'une pelote de laine, en général, chez Fildart, c'est entre 2,50 et 5 euros et plus et plus et plus. Donc là, j'ai pas hésité une seule seconde. J'en ai pris du gris, du... Alors, je vous montre les 4 couleurs que j'ai prises. J'ai pris du rose, du gris, du noir et du vert. Enfin, du vert haut. Comme ça, j'ai pour voir, en fonction de mes tenues, c'est les couleurs que je mets le plus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal et pour le prix voilà. Donc au final j'en ai eu pour 19 euros pour les 12 pelotes. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, suite à ça, j'ai racheté un loom knitting mais pour écharpe. Donc ils sont en bâton comme ça. Je ne les ai pas encore testés par contre et en fait c'était le même prix que les autres. Hein, à savoir 2,99€. Donc franchement, ça vaut grave le coup pour le prix de se faire des petites écharpes, des petits bonnets, des machins pour le prix. En général, pour un bonnet, il faut compter une pelote et demie, comme ça en fait. Pour le bonnet que j'ai réalisé, il faut une pelote et demie comme ça. Cependant, il est un peu haut, donc je suppose qu'avec une pelote, on peut avoir assez pour le bonnet. Mais pour une écharpe, je compte quand même une et demie à deux pelotes, voire plus, en fonction de la longueur et de l'épaisseur que vous voulez. Voilà, ça c'est dit. Ensuite,
J'ai pris, je vous avais dit que c'était loin, 15 minutes déjà. J'ai pris quoi? Le Lip Duo, donc à 99 centimes, et c'est ces petites choses-là. Je me suis retenue, ils sont encore dans le packaging, parce que je voulais les ouvrir avec vous. Donc moi j'ai la teinte 47, le Burgundy Red. Donc en fait, j'ai attendu, hein. Franchement je suis super sympa, parce que vous savez que pour une fan de cosmétiques, attendre, c'est tout bonnement pas possible. Donc on a un côté rouge à lèvres en fait. Donc voilà, donc ça c'est la teinte 47, je vais vous la swatcher. Donc voilà ce que ça donne. C'est crémeux, c'est mat, donc ça c'est un avantage. Parce que maintenant, voilà, les mats c'est un peu à la mode. Et ça je suppose que c'est un gloss qui va... Alors il est exactement de la même teinte, ça c'est clair. Donc voilà, le but, voilà, tout simplement. C'est un rouge à lèvres mat et vous avez le gloss à côté au cas où vous vouliez rajouter de l'intensité et surtout du glowy quoi, en gros. Voilà. Donc ça c'est la teinte 47, donc le Burgundy Red, et j'ai aussi le Hot Pink, donc la teinte 36. Et il y en a plein de teintes, hein. Il y a du orange, il y a voilà quoi. Il y a vraiment des choses sapin de Noël. Et donc celui-ci vraiment c'est un rose waouh. Pétant. Alors j'ai hâte de voir. Ah ouais, ouais, c'est fuchsia quoi. C'est. Ouais, c'est. Ça, faut le porter par contre. Bah bon, moi ça me dérange pas. Hein. C'est vraiment le truc qui me dérange pas du tout. Ah ouais, c'est exactement la même teinte. Vraiment, sauf que c'est le gloss. Et vous voyez, il n'y a aucune démarcation entre les deux. Enfin, moi en tout cas, à l'œil nu, je le vois pas. Peut-être que vous, oui, mais moi, non. C'est vraiment exactement la même teinte. C'est vraiment pour rajouter la touche de glossy, si vous voulez, un gloss, plutôt que le rouge à lèvres en lui-même qui sera mat. Donc là, je trouve que pour le coup, c'est hyper ingénieux parce que du coup, ça te coûte que 99 centimes. Bon, après, faut bien gérer ce que ça va donner parce que faut être sûr quand même que ça bave pas partout, etc. Je prends une lingette quand même parce que je vais pas rester avec ça sur la main. Mais ouais, franchement, je suis agréablement surprise. Après, faut voir la tenue. Mais honnêtement, ils suivent la tendance. Ils te mettent du mat, mais si tu veux du glowy, ils te rajoutent un gloss par-dessus. Donc ça, de ce côté-là, je trouve ça super sympa. Ensuite, je vous avais montré dans mon dernier haul action, je vous avais parlé de ça, des assiettes, mais je ne vous les avais pas ouvertes. Donc voilà, elles étaient à 2,49€. Donc c'est des assiettes creuses pour la soupe. Tout simplement, et j'en avais pas à la maison. Des simples, des blanches comme ça, et surtout à ce prix-là. Donc je me suis lâchée. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous montrer le fil textile en fait. C'est comme, pareil, c'est comme du fil à tricoter, sauf que c'est du tissu. Voilà, et ça sert à faire ce genre de choses. Donc c'est tricoté aussi, hein, faut pas se leurrer. Sauf que ça, c'est pour ma maman. Donc il y a 450 grammes à l'intérieur. C'est pour lui faire un sac à dos. Mais avec des lanières, voilà, pour quand elle va en excursion avec, avec son club loisir. Donc du coup, ça c'est super pratique et je vais lui faire ça. Mais j'ai pas encore eu le temps parce que j'ai cassé mon crochet qui avait dedans du kit loom knitting. Parce que c'est fragile et moi en fait ce jour-là j'étais super énervée. Et donc vu que je fais ça pour me déstresser, eh ben, j'ai tellement forcé sur le truc que je l'ai broyé quoi. Donc tout simplement. Ensuite, on passe à mon dernier achat. Et là, c'est un organiseur tiroir, comme ça. Donc, c'est marqué « I love my favorite things ». Voilà. Parce que moi, je le vois à l'envers, en fait, comme vous, dans le miroir. Parce que je vais pas faire comme ça. Donc, on a un tiroir. Voilà. Tout simple. Et on a, en gros, un loquet... Enfin, c'est... Aïe ! Waouh, je me suis pincé le doigt. C'est un loquet aimanté en fait, une porte aimantée en vitrée, et donc avec trois espaces comme ça. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, hein, on va dire, mais je l'ai trouvé hyper beau, donc du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais le mettre dans la bibliothèque parce que je suis en train de réorganiser et franchement, il me fallait du rangement. J'ai trouvé ça super sympatoche. Pour le prix, ça valait le coup. Il était à 6,29€. Ça, c'est des trucs qu'on trouve chez Casa en général à une blinde, donc voilà. Donc voilà, la seule chose qui me reste à vous présenter, c'est une gamme aussi qui se fait chez Action de rouge à lèvres. Mais là, il faut que je fasse vraiment une revue à part.
Voilà, c'est les Lip Infinity de chez Max Factor. Ils sont pas chers, ils sont à 1,50 et c'est une pure bombe. J'ai le 108, le rouge vraiment bordeaux. Il est génial. Et donc, étant donné que je l'ai trouvé génial, je me suis repris toutes les teintes. J'ai toute la gamme maintenant, je pense. Et en Allemagne, les Lip Infinity coûtent 13 à 14 euros. Donc, quand vous les avez chez Action à 1,50, franchement, il n'y a pas photo. Enfin, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Donc voilà, c'était tout pour mon haul Action, big haul énorme. Là, je vais vous faire une autre vidéo Action qui viendra certainement dans la routine 2 jours plus tard que celle que je poste maintenant et qui vous montrera les swatchs et les teintes et les références et tout ça. Voilà, pour les Infinity. Parce que là, il est déjà 20 minutes et c'est pas possible. Donc voilà, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles. Je vous aime trop. Ciao, ciao. Have you ever felt? Are you listening?